Les entrepreneurs à succès viennent certainement dans toutes les tailles, toutes les formes et toutes les saveurs. Pour moi, certaines des choses que j'ai déjà décrites sont extrêmement importantes. Salut la Team Mindset et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme tu l'as compris, on va parler à nouveau d'Elon Musk sur la chaîne. Suite à la vidéo que j'ai réalisée sur sa vision radicale par rapport au diplôme que je t'invite à aller voir car elle est en train de battre tous les records de la chaîne, tu la trouveras dans la description, j'ai décidé de te partager un conseil de sa part pour devenir entrepreneur. Je n'ai plus besoin de présenter Elon Musk, c'est donc le fondateur de l'entreprise Tesla, de PayPal notamment, de SpaceX ou d'autres entreprises comme The Boring Company qui creusent des tunnels pour pouvoir accélérer la circulation dans les villes. Il est encore notamment à l'origine de l'idée de Hyperloop qui est, pour simplifier, un train à très très grande vitesse et qui va permettre de transporter les gens plus rapidement que jamais. Si tu me découvres grâce à cette vidéo, je m'appelle Almansor Diallo, je suis entrepreneur et je suis fondateur d'une société de chauffeurs privés qui s'appelle Naveco. Sur cette chaîne, tu retrouveras de la motivation, des interviews d'entrepreneurs inspirantes et tout ce qu'il te faut pour pouvoir passer ton business et ton mindset à un autre niveau. Je t'invite à aller voir la vidéo et d'ailleurs à me donner ton avis, est-ce que tu es d'accord avec lui ou pas concernant sa vision par rapport au diplôme. J'ai pensé notamment dans un premier temps à plutôt te partager l'histoire de la vie d'Elon Musk car cela permettrait d'expliquer en partie son raisonnement et ce qui l'a emmené à devenir ce qu'il est et créer toutes ses entreprises. Mais j'ai trouvé également intéressant le fait de te partager ses conseils pour devenir entrepreneur. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires si jamais tu souhaites que nous réalisions une vidéo sur la vie d'Elon Musk. Voici ses conseils. Vehicles in Cephalon, securing stage 1, stage 2 heaters. Go OSM RCO, RC on countdown 1 with a comm check. Stage 1, stage 2 ACS, secured for flight. Quand vous avez eu ce troisième échec d'affilée, est-ce que vous avez pensé « il est temps pour moi d'abandonner » ? Jamais. Pourquoi pas ? Je n'abandonne jamais. Je veux dire, je devrais être mort ou en totale incapacité. Huit mois plus tard, Musk a parié le futur de l'entreprise sur un autre vol. Cette fois-ci, tout a fonctionné. Si ce quatrième vol avait échoué, ça aurait été la fin. Nous n'avions pas les ressources pour en lancer un cinquième. Les entrepreneurs à succès viennent certainement dans toutes les tailles, toutes les formes et toutes les saveurs. Pour moi, certaines des choses que j'ai déjà décrites sont extrêmement importantes. Je pense vraiment qu'une nature obsessive avec un respect pour la qualité du produit, vraiment aimer ce que tu fais, qu'importe le domaine dans lequel tu te lances, donne tout. Même si tu es le meilleur des meilleurs, il y a toujours cette chance d'échouer. Donc, je pense que c'est extrêmement important de vraiment aimer qu'importe ce que tu fais. Tu n'aimes pas ce que tu fais, la vie est trop courte. Quand mon frère et moi lancions notre première entreprise, plutôt que d'avoir un appartement, nous avons préféré louer un petit bureau et nous avons dormi sur le canapé. Et nous prenions toutes nos douches au foyer des jeunes. Et nous avions un seul ordinateur, donc le site internet était lancé le jour et je codais la nuit. 7 jours sur 7, tout le temps. Ce que je veux dire, c'est que tu as besoin de travailler super dur. Travaille dur chaque heure que tu peux. C'est une semaine qui a secoué Wall Street, voire le monde entier. Et surtout la réalisation que l'économie va certainement continuer à plonger. Le système financier américain est déstabilisé jusqu'à dans ses fondations, car les meilleures institutions financières américaines croulent sous les dettes. Quand tu prends un moment pour prendre du recul sur les événements des deux derniers jours, c'est clairement incroyable. L'action Tesla a été votée par Wall Street comme celle qui a le moins de chances d'avoir du succès.
vous avez mis 90 milliards de dollars, c'est-à-dire 50 ans de réduction fiscale, dans les énergies solaires et le vent, dans Solyndra, Fisker, et Tesla et EnerOne. J'ai un ami qui dit que tu ne choisis pas simplement les gagnants et les perdants, vous avez choisi que les perdants. Je suis disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour aider à régler les problèmes. Vous pouvez m'appeler un dimanche à 3 heures du matin, j'en ai rien à faire. Nous n'avons pas simplement remboursé le prêt de l'État, nous l'avons remboursé avec les intérêts et un paiement en bonus. Donc le contribuable américain a en fait gagné 20 millions de dollars sur ce prêt. Quand tu aimes ce que tu fais, tu y penses même quand tu ne travailles pas. C'est quelque chose sur lequel ton cerveau est concentré tout le temps. Et si tu ne l'aimes pas, tu ne peux simplement pas le faire fonctionner comme il faut, je pense. Une critique constructive de ce que tu es en train de faire vaut de l'or. Tu dois être très rigoureux dans ta manière de t'auto-analyser. Toutes ces petites choses augmentent drastiquement tes chances de succès. Si les autres personnes travaillent pendant 40 heures par semaine et que toi tu travailles 100 heures par semaine, donc même si tu fais la même chose qu'eux, tu le sais, tu vas réaliser en 4 mois ce qui leur prend un an à achever. Tu peux faire des mathématiques très simples finalement. Si quelqu'un d'autre travaille 50 heures par semaine et que toi tu en travailles 100, tu vas simplement faire le double de ce que cette personne peut faire sur la longueur d'une année par rapport à une autre entreprise. La dernière chose que je t'encouragerais à faire, c'est que c'est maintenant le moment de prendre des risques. Et encore plus si jamais tu lances ton entreprise. Plus tu vieillis et plus tes responsabilités augmentent. Et une fois que tu as une famille, tu commences à prendre des risques qui ne sont plus que pour toi, mais également pour ta famille. Et ça devient beaucoup plus difficile de faire des choses qui ne vont peut-être pas fonctionner. Donc c'est maintenant le moment de te lancer, avant que tu aies ces responsabilités. Donc je vous encouragerai à prendre des risques maintenant, à faire quelque chose de fou. Tu ne le regretteras certainement pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Indique-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé. Est-ce que cela a eu de l'impact sur toi et comment est-ce que tu vas pouvoir l'appliquer dans ta vie? Partage cette vidéo là tout de suite avec une personne qui en a besoin, qui a besoin de le voir et qu'elle va pouvoir aider. Indique-moi également si jamais il y a un mentor, une personne en particulier que tu souhaiterais que nous abordions sur la chaîne. N'oublie pas de réaliser aujourd'hui quelque chose qui te rapproche de tes rêves. Et comme tu le sais déjà, on avance ensemble.